Les salts. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le deuxième jour des soldes et j'ai décidé d'aller faire un petit tour. Honnêtement, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de shopping. Vraiment, c'est incroyable, genre j'arrive pas à y croire que je retourne faire du shopping. Petit rappel à vous comme à moi, les filles, c'est pas parce que c'est les soldes qu'on va acheter tout et n'importe quoi. Vraiment, là faut qu'on soit intelligente dans nos soldes. Là, on est vraiment dans l'optique de trouver des belles pièces. Soit des basiques, soit vraiment des pièces uniques. Enfin, unique, c'est un grand mot parce que c'est du prêt-à-porter, donc ce serait jamais unique. Mais voilà, des pièces un peu qui sortent de l'ordinaire. Surtout pour les plus jeunes d'entre nous, j'ai été très jeune et j'ai dépensé énormément d'argent dans des vêtements que je n'ai jamais portés parce que je me disais, oh, c'est pas cher, etc. Mais déjà, il faut voir dans un premier temps si le vêtement te va, si c'est vraiment ton style et si il est de bonne qualité. Genre vraiment là, c'est les trois questions à se poser avant d'acheter pendant les soldes. Parce que sinon, on se retrouve à acheter plein de trucs. Donc on va essayer de choper des pépites, pas dans l'excès encore une fois. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans les magasins et tout. Il fait moins 1000 dehors et je me trimballe juste avec cette petite veste, cette demi-veste. Franchement, je suis contente parce qu'il n'y a pas trop trop de monde. Il est midi et je suis venue à Val d'Europe parce que j'aime trop ce centre commercial. Genre, je trouve qu'il y a tout. Donc voilà. Et je pense qu'on va commencer directement avec H&M. C'est juste là. Allons voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des pépites? Le stand de soldes, genre, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a tout ça, genre. Maintenant, à voir s'il y a des pépites ou pas. Si vous cherchez des vestes inspiration tweed, ici, il y a tout ce qu'il faut. Genre. Elles sont canons, il y a plusieurs modèles. Ça c'est la The Pépite, regardez. Ce modèle, il est à 20€ au lieu de 50€, un truc de ouf. Ça c'est ce qu'on appelle un bon investissement, ce qu'on appelle de bons soldes aussi, complètement fan. Avec les détails des petits boutons comme ça. Je trouve trop trop beau. On a aussi des beaux blazers qui sont soldés. J'adore le motif et les couleurs, genre vraiment c'est un intemporel. Ça aussi c'est vraiment une bonne pièce à avoir. Je suis complètement fan. Je pense que je vais craquer pour cette pièce, genre... Elle est grave bien soldée et c'est une robe longue, trop trop jolie, que tu peux porter un peu tous les jours. Elle passe de 30€ à 12€, je trouve que ça vaut grave le coup. C'est vraiment un basique à avoir avec un beau manteau long et des belles bottes, genre j'adore. Et c'est surtout ce côté là que j'aime trop. Encore un autre basique vraiment à avoir, si vous ne l'avez pas, foncez le prendre. Il y a une belle petite promotion, il passe de 30€ à 20€. C'est un gilet long en maille, genre ultra long. Ça c'est vraiment le goal de l'hiver d'avoir ça, donc j'adore, je vais l'essayer aussi. Alerte bon plan mes chéris, je pense qu'ils vont partir assez vite parce que c'est vraiment beau. Je vais pas le prendre parce que j'en ai déjà 1000 de ce modèle, mais regardez. Les pantalons droits basiques comme ça de costume, de tailleur. Et il est soldé genre à moitié prix, donc trop trop bien. Il est vraiment trop beau et il est quali. Donc, si j'en aurais pas eu déjà 10, je l'aurais pris. Trop trop beau. Pareil, les blazers, je vais passer parce que j'en ai déjà des tonnes et des tonnes. Mais il y a des belles pépites et à petit prix. Donc franchement, chez H&M, là, il y a des belles pépites. J'ai trouvé aussi ce chemisier de folie. J'avais oublié que chez H&M, ils font des chemisiers trop trop beaux. Et celui-ci, il est à 15€. Genre, j'adore, il en satin et beige, bah tout ce que j'aime en fait. J'ai trouvé exactement le même en gris. Je sais pas, je le trouve encore plus beau en gris alors que de base, c'est pas trop ma couleur. Là, on a des bons basiques à 9€. Bonne qualité, tout ce qu'on aime, vraiment. Du coup j'ai fait un petit tour dans tout l'endroit solde de chez H&M et honnêtement il y a pas mal de choses. Il y a aussi pas mal de choses que j'ai pas pris parce que j'ai déjà une tonne de vêtements. Mais je suis quand même tombée sur des beaux basiques. Donc franchement n'hésitez pas si vous voulez aller voir les soldes chez H&M. C'est grave intéressant honnêtement. Là je vais en cabine, je vais essayer tout ça. On verra si c'est aussi bien porté que vu comme ça. Je suis assez surprise parce qu'habituellement avant quand je faisais les soldes je trouvais jamais rien. Et là franchement je trouvais des belles petites pièces en soi donc quoi. Comme d'habitude, les plus belles choses ne sont pas soldées. Mais regardez-moi ces bottes, elles sont juste iconiques. Elles sont incroyables. Elles sont pas soldées malheureusement, 60€, mais franchement elles sont trop belles. Par contre, on a ces bottes qui sont soldées, qui sont aussi toutes jolies. C'est pas du tout le même style, mais ça fait un peu un style motard. C'est grave la tendance cette saison. Et honnêtement, les soldes sont pas mal. On passe de 70€ à 25€, donc j'aime bien. C'est parti pour les essayages. J'ai la flemme, j'ai trop la flemme. En vrai du coup j'ai 4 articles à essayer. Celui-là qui m'intéresse le plus c'est vraiment ce chemisier gris, genre il est vraiment trop beau. Du coup j'ai essayé le gilet avant tout. Et je sais pas, je le trouve pas transcendant. En fait comme, quand tu le vois comme ça tu dis la matière est trop bien. Mais quand tu le portes tu te rends compte que c'est vraiment trop léger. Next. La robe elle est incroyable. Je la trouve iconique pour 12€.
Ce que j'aime trop, c'est vraiment là, le fait que ça soit bien plissé. Je trouve ça trop trop beau. Mais chérie, le chemisier, c'est une pépite. Genre, une pépite. Je le trouve juste incroyable. Avec un pantalon de tailleur, genre incroyable. J'adore ici le fait qu'il soit croisé comme ça. Je suis trop fan. 14 euros. Je pense qu'on est bien. Vous voyez, ça c'est vraiment des basiques à avoir. Et c'est quelque chose qui va arriver aussi tout de suite. Ta tenue, ta garde-robe, t'as un chemisier comme ça. Je suis avec n'importe quel pantalon de tailleur. T'es incroyable. J'ai trop le seum, c'était le dernier et en fait c'était un S, j'ai cru que c'était un M mais j'ai pris un S sans m'en rendre compte. Et bien évidemment ça ne me va pas. Je suis trop deg mais si vous le trouvez dans un H&M à côté de chez vous, vraiment prenez-le, il est incroyable. En fait c'est exactement le même sauf en beige et un peu plus brillant. J'ai l'impression que le gris il est un peu plus mat mais on aime quand même. Là on va chez Mango juste en face, on va voir s'il y a des pépites. On dirait qu'il y a des pépites hein, c'est écrit moins 50%. Honnêtement, Mango, c'est l'un de mes magasins fav. Et on dirait qu'il y a plein de pépites. Enfin, tout le magasin. Il y a des soldes sur tout le magasin. C'est incroyable. Les blazers, genre incroyable. Les soldes, ils sont ouf. Et vraiment, la qualité du blazer, je meurs. Celui-là, j'ai bien aimé le prendre. Mais j'ai déjà mis le blazer gris. Mais vraiment, si vous cherchez un blazer gris, celui-ci est trop trop bien. Encore un gros coup de cœur. Un cardigan comme ça. Hop, oh, purée, mais tout ce que j'aime. Alors comment vous dire que c'est de la maille côtelée mais de la vraie, hein. C'est pas de la mauvaise qualité, honnêtement la qualité elle est ouf. Il est super lourd le cardigan, j'adore avec les petits boutons argent comme ça. Et il passe à 40 euros. Il est trop trop bon. Les vestes en cuir elles sont soldées aussi. Mais c'est abusé, purée, les soldes ils sont incroyables. Il passe de 70 euros à 40 euros. Celle qui me suivent sur Insta, cette veste, je l'avais eue justement en collaboration avec Mango. Et elle coûte super cher. Et là, les soldes sont ouf. Non mais incroyable. Cette veste, elle est trop bien. Je l'ai déjà à la maison et franchement, je la porte H24. Du coup, je suis tombée sur ce Bombers que j'aime trop. Je pense que je vous en ai déjà parlé un milliard de fois. Et il est en solde aussi, les filles, genre vraiment foncé. Pour celles qui aiment les ballerines inspiration Miu Miu, on a celles-ci chez Mango qui sont trop mimi purée. Et pareil, elles sont en solde, elles passent à 30 euros. Faut aimer. Moi personnellement, j'aime trop avec des belles chaussettes et tout, ça le fait. Je suis amoureuse de ce sac. Pareil, il est en solde, les filles. Il passe de 40 à 30 euros. Genre, trop trop beau. Un peu inspiration Copernic quand même, mais j'adore. Du coup, me voilà à Primark. Et je trouve que quand même, il y a certains basiques qui sont de bonne qualité. Il y a des basiques qui sont trop de mauvaise qualité en passant à chercher chez Primark, mais il y en a qui sont vraiment de bonne qualité. Genre là, il y a des. Là, il y a des pulls basiques gris comme ça qu'il faut avoir absolument dans son armoire et qui sont très très bien à 10 euros. Donc vraiment foncé. Je suis en train d'hésiter si je la prends ou pas parce que j'avoue, c'est grave la tendance des fourrures et je voulais trop faire une jolie photo avec. Et je sais que je porterai de ouf cette fourrure. Elle passe de 60 à 30 euros. Donc vraiment. Franchement, chez Primark, il y a plein de vestes bien soldées. Franchement, honnêtement, pour les vestes, les fourrures et tout, allez-y. Hein. Il y a vraiment des belles choses. Regardez-moi cette fourrure aussi qui est très très jolie. Tout, j'ai exactement la même mais en plus clair. Franchement, j'adore. Bon, il n'y a pas le prix. Hein. Ah si. Du coup, elle passe de 40 à 20 euros. Genre, tout est à moins 50%, on dirait. Je me retrouve à acheter des trucs, ça me tue. J'ai pris un gros polaire de pyjama. Il est à 10 euros. J'ai pris une gourde. Avant que je fasse tout soumettre, je disais que j'ai pris une gourde de 1 litre pour m'obliger à boire 2 litres par jour. Comme ça, je bois deux fois le même truc. Parce que des fois, j'arrive pas à boire mes 2 litres par jour. Il y a pas mal de petits trucs, honnêtement, après les marques. Il y a des petits trucs mignons. Mais voilà, j'ai déjà pas mal de choses chez moi, donc je vois pas trop l'intérêt d'acheter. Et j'ai vraiment acheté des trucs dont j'ai besoin. Et voilà. Faire du shopping, c'est vraiment du sport, mes chéris. Je suis épuisée. Honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, pour celles qui veulent refaire leur garde-robe et tous les basiques et tout, il y a grave possibilité pendant les soldes parce que vraiment là, deuxième jour de solde, il y a déjà des belles pépites, il y a déjà des belles promotions. Et dans les trois magasins où je suis allée, vous pouvez trouver de très bons vêtements de bonne qualité. C'est vraiment ça le plus important pour moi, de trouver des choses de qualité parce que ça se voit directement quand tu portes. J'ai oublié d'aller chez Uniqlo, je voulais trop y aller, mais je viens de me rendre compte que maintenant, purée. C'est pas grave.
Allez chez Uniqlo, vous, et dites-moi s'il y a des pépites, parce que j'aime tellement Uniqlo pour les basiques. Ah, ma passion. Uniqlo, vraiment ma passion. Et honnêtement, je suis contente pour une personne qui fait peu de shopping et qui fait très rarement les soldes. J'ai trouvé des petits trucs, ça va. J'ai pas trop été déçue, honnêtement. Donc, vous, si vous allez faire les soldes, dites-moi si vous trouvez des pépites. Et surtout, si vous trouvez des bêtes de pépites, mettez les références en commentaire, vraiment. Je vais trop voir. De toute façon, c'est que le début des soldes, donc je pense qu'il y aura plein de choses incroyables. En tout cas, moi, je vous dis à vendredi pour notre petite vidéo. On se retrouve vendredi et je vous fais plein de gros bisous.